Salut à toutes et à tous, c'est Imaginox9 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la semaine du 9 heures au ticket. Nous sommes toujours sur Homecy, nous sommes sur la map de Eberlinsee, mais nous ne sommes pas en bus. Nous conduisons un tram, à savoir la Tatra 4T4D. Un des meilleurs trams d'Homecy. Alors, c'est un tram que j'ai repris à l'IA, hein. Je n'ai pas fait spawner moi-même. Donc là, il y a la gare de Ostbahnhof. Là, il y a un autre tram qui attend. Alors, pour activer le tram, j'ai juste appuyé là et puis sur D. Alors ça, c'est pas pour activer le tram quand il part de zéro, c'est juste pour l'activer quand il vient d'un service de l'IA. Alors là, je vais juste mettre la caméra ici comme ça. Maintenant, j'appuie sur le bouton de déverrouillage des portes. Mais d'abord, je vais quand même vous mettre une caméra en vue extérieure. Voilà, je vais appuyer. Voilà, on voit les portes qui s'ouvrent. J'appuie sur le bouton pour ouvrir toutes les portes en même temps, c'est mieux. Et donc, je vais faire le screed. Voilà. Du coup, c'est parti. Avec la fameuse sonnerie soviétique. Apparemment, nous, on va tout droit. Marxplatz. C'est pas le bon arrêt. Louis Armstrong Straße. Attendez une seconde. Les flèches auraient-elles été mal mises?
Ah oui, nous dit de passer par là, comme si on avait pris un service d'une autre ligne. J'ai pourtant pris un service de la ligne 2, moi. Olsenstraße. Thomasdom. Marxplatz. Ok, même en ayant indiqué le bon arrêt, ça me met encore n'importe quoi. Regardez, là, c'est la bonne liste d'arrêts, pourtant là, ça me marque un mauvais prochain arrêt. Mais bon, allez comprendre, mais il faut savoir que les lignes de tram sont assez buggées sur OMSI. Donc là, on attend patiemment que notre feu passe au vert. Enfin, la barre verticale plutôt. Oui, je sais qu'il l'était déjà il y a quelques minutes, mais j'ai pas eu le temps de passer. Vu que je regardais le service. Voici donc l'intérieur du tram. Ok, il y a un tram de l'IA qui est venu s'incruster dans le nôtre. Des preuves qu'on est bien au bon endroit, les passagers montent. Mais bon, allez comprendre, c'est aussi. Armstrongstraße. Alors là, on a une lampe qui orange qui s'allume quand il y a un arrêt demandé, donc quand quelqu'un sonne. Alors s'il y a des Français qui regardent cette vidéo, ils se demanderont, hein, quoi? Parce qu'apparemment dans les trams français, il n'y a pas de sonnette. Est-ce que les trams français agissent comme des métros, plus ou moins, s'arrêtant à chaque arrêt? Et il ne roule pas avec les voitures comme nous. Olsenstraße.
Les flèches oranges, c'est pour une ligne de bus jouable. Certains ont parlé de priorité de droite, mais non. Vu qu'on a un tram, on a priorité sur tout le monde. Mais y a personne. J'ai quand même déverrouillé les portes, comme ça si jamais quelqu'un se présente à l'arrêt, il peut encore venir. C'est quel arrêt? Olze... Non, c'est pas Olsenstrasse. C'est Thomasdom. Thomasdom. Frank Sinatra Platz. Alors ça a l'air d'être assez calme. Enfin bien que, il y a pas mal de monde à l'intérieur. Si c'est assez calme, c'est parce qu'il n'y a personne sur la route. Ils sont tous dans le tram. Il y a des Haltewunsch ici, demande d'arrêt. Alors je vais juste voir si j'ai pas sauté l'arrêt sans faire exprès. Non. J'ai laissé la fermeture automatique s'engager. On attend pour le feu rouge. C'est parti. Scharnweberstraße. Oberschleuse.
On se ramasse tous les feux. Voilà, le bouton là, c'est un peu un genre de frein à main. En alia qui nous passe à travers. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il a mis lui comme terminus? 5 Westfriedhof. Ah non, 6, pardon. Dampferkai. Umsteigemöglichkeit zu den Schiffen der Weißen Flotte. Change here for the White Fleet Boat Services. Voici le lac de Eberlitzsee. Cette partie du trajet fait un petit peu custrade quand même. Même si on est le long d'un lac et pas d'une mer. C'est pas vraiment normal qu'il y ait personne aux arrêts comme ça. Attendez. Hangstraße, Prescenplatz. Ah, les portes s'ouvrent. Vous savez quoi, j'ai tout simplement suivre ici le truc de l'IA sans prendre de service. Voilà. Pas Noël, ça veut dire sonnette. 10 km/h la limite, ben purée.
plus qu'à attendre 20 ans. C'est parti. Voilà, j'attendais que le train ait quitté le virage pour accélérer. Straße Klöberweg. Gustav Heydrich Platz. On avait Mamie Gertrude et son petit enfant qui attendait, enfin son petit-fils plutôt. Sinon, il a vendu Trab a l'air d'être assez bien rempli sans être bondé non plus. Quant à la partie arrière. Ouais, là, il n'y a quasiment personne. Et quelqu'un a sonné. Antonia Heidrichstraße. J'ai à nouveau déverrouillé les portes comme ça je vous montre. Donc là hop, on peut sonner. Et au bout de quelques secondes la porte va se fermer automatiquement. Voilà. Sans alarme par contre. Si je rouvre la porte et que je verrouille les portes. Voilà. Là on a la fameuse sonnerie soviétique qui s'active. Ça marche un peu comme sur nos PCC. Helene Heidrichstraße. Et oui, j'ai vu le feu rouge, mais bon.
Allez, on attend. C'est parti. On est limité à 60. Après, est-ce que c'est pour nous cet arrêt-là? Ouais. U-Bahnhof, Rathaus, Amtsgericht. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U1. Bah là on arrive plus dans la portion centrale de Eberlice. On va avoir peut-être plus de monde. Quand tu dois te mettre en vue passager pour pouvoir voir le feu. Il y a Manfred qui attend impatiemment ici. En mode, il se clare, il se sourit tout babad. Man, 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 man. Ah tiens, qu'est-ce que je disais maintenant qu'on est dans le centre-ville, c'est là que le de feu rotiqué entre en pleine appréciation pour sa juste valeur. Perotinusbrücke. Serait-ce une dédicace à Pérotinus, le créateur de plein de cars interurbains d'Homcy? Ouais, y a pas mal de monde. Thank you.
Là, on est vraiment en mode de feu retiqué. En plus, le prochain arrêt, c'est... Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn, zum Bus, zur U- und S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste zum Flughafen Eberlinsee steigen bitte hier um. Next Stop, Main Station. Passengers traveling to Eberlinsee Airport, please change here. Voilà, la gare. Ah oui, on a commencé à aussi une gare, mais c'était la Ostbahnhof, la gare de l'Est. Là, c'est la gare centrale de... Allez, hop, on s'arrête. Parfois, il y a plus de monde. Ah bah c'est rouge. C'est rouge, on va attendre encore un peu. Ça va bientôt passer au vert. Altmarkt. Ouais, c'est pareil pour l'arrière du tram, il est toujours... Lui, il est toujours un peu vide, mais il s'est quand même un peu rempli. Niederstadt. Thälmannstraße. Moi j'avais l'habitude de tourner à droite au précédent croisement, au précédent aiguillage. Pour une fois je vais passer par là.
J'accélère un peu la cadence. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est toujours un site propre, donc on peut foncer. U-Bahnhof Sternberger Straße. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U1. Regardez si on... Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de fiche de service. Sternberger Straße, Friedrichstraße. Mais bon, j'espère qu'on n'est plus trop loin. Bon, tant pis, hop, barre des feux rouges. Et hop, c'est reparti. U-Bahnhof Friedrichplatz. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 1 und zur U-Bahnlinie U1. Endstation. Bitte alle aussteigen. This service terminates here. All change, please. Ben voilà, moi qui me demandais c'était quand le terminus, voilà ma réponse. Alors, est-ce qu'on débarque les passagers ici et on fait le tour ou bien... Ou bien est-ce qu'on doit d'abord faire le tour? Ok, on doit d'abord faire le tour.
Ah bah l'aiguillage est déjà bien mis, chouette. Voilà, j'ai ouvert toutes les portes manuellement et il y a pas mal de gens qui sortent. Je vais faire un screed. Descendez les gens, c'est le terminus. Et voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est donc sur ces images que l'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et tout ce que vous voulez. Au revoir.